Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour le 9e séminaire rythmologie de l'année. C'est aussi l'avant-dernier puisque le 5 juillet, on a eu confirmation donc de la présence de l'écrivain Patrick Chamoiseau qui viendra clôturer cette deuxième saison autour de cette idée du rythme vu du côté de la poésie, de l'écriture, mais aussi des Antilles puisque son propos est situé dans le cadre et dans la suite de la réflexion d'Édouard Glissant. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le danseur et chorégraphe Yann Heureux sur le thème rythme urbain, rythme chorégraphique. Je voulais vraiment le remercier d'être là. Je sais que c'est compliqué puisqu'il sort, il a une avant-première vendredi et il bouge d'un pays, d'une région à l'autre avec ses différentes présentations et ses projets. Donc voilà, merci vraiment à lui d'être là. Un petit mot sur Yann, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Donc Yann a démarré sa carrière en créant des spectacles de rue et de hip-hop. Il a créé l'association Être en scène à Montpellier, qui est un lieu à la fois de diffusion, de recherche et d'enseignement. Il a créé de nombreuses pièces dans le monde entier pour le théâtre, mais aussi pour la rue. C'est ce qui nous intéresse sans doute le plus aujourd'hui, mais pas seulement. Il vient d'ouvrir un lieu particulier tout près de Montpellier que j'ai eu la chance de visiter, qui est même un tiers-lieu avec une structure qui se met petit à petit en place, qui s'appelle Art Fabrique. Peut-être qu'il nous en dira un mot et qui va dans le sens, je ne sais pas si elle va dans le sens d'improvisation, mais en tout cas elle va dans le sens de l'hybridation. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Yann. C'est pas simplement pour ça qu'il est là. J'ai d'abord eu la chance de le rencontrer sur une opération qui se déroulait dans les quartiers de Montpellier il y a peut-être une dizaine d'années, qui va reprendre cette année. Et ensuite, on a travaillé avec Yann sur les quartiers nord de Marseille, avec le théâtre du Merlan. On a eu la chance aussi de travailler à Lausanne autour du colloque sur les rythmes avec notre collègue Wilstro, avec Vincent Kaufmann, bien sûr, à l'EPFL. On a travaillé ensemble à Frontignan, à l'université, sur les questions de proximité l'an dernier. Je voudrais simplement signaler que j'ai un souvenir assez bouleversant de son intervention pendant ces 3 journées de réflexion autour de la proximité, puisqu'on l'avait programmé le matin très tôt, donc à un moment où on n'est pas tellement réceptif, vers 8h30, 9h. Et il y avait là à peu près 80 personnes qui prenaient leur café, qui avaient à peine noté qu'un artiste serait présent, et pas simplement pour décorer. Et il a développé son spectacle. Et j'ai vu toutes ces personnes essuyer une larme, mais vraiment c'était très, très, très prenant. Donc quand on parle d'éprouver avec Yann et d'émotion, on est vraiment dans cette dimension-là. Actuellement, on a la chance de travailler avec lui. Je peux en dire un mot sur le quartier des Cévennes et sur un collège-lycée à Montpellier également. Il nous en dira certainement un mot. Un collège-lycée qui s'appelle Simone Veil et où fait lui l'expérience du corps pour éviter le décrochage des élèves et nous plutôt du territoire. Alors on dit souvent de Yann que c'est une figure de l'improvisation. Pour moi et pour nous, Yann, c'est un hybride, quelqu'un qui éprouve vraiment la ville et qui n'a jamais peur de s'embarquer dans des aventures avec d'autres disciplines et d'autres personnes, parfois qu'il ne connaît pas encore. Et c'est un peu ce qu'il fait aujourd'hui avec nous. Je voulais le remercier. Voilà, à toi Yann, merci beaucoup d'être présent. Je rappelle simplement le principe de ces séminaires. C'est 3 quarts d'heure à 1 heure d'exposé, donc on a le temps. Pas de stress, on n'est pas sur cette logique des 10 minutes vite, vite rempli, et après un temps d'échange qu'on peut déjà commencer en écrivant les questions, les remarques dans le chat. Merci vraiment d'être présent, vous êtes nombreux et nombreuses en cette fin d'année. À toi, Yann. Merci pour cette introduction. Merci. Alors oui, c'est un honneur pour moi là, de partager ce moment avec vous. On a eu l'occasion à nombreuses reprises à se croiser avec Luc et bien d'autres aussi, là j'imagine, au travers des séminaires ou des temps de réflexion, rarement avec des temps de pratique. Donc ce sera peut-être la prochaine invitation que je vous ferai, c'est de venir à Art Fabrique, dans ce tiers-lieu, pour en parler, mais aussi pratiquer.
ce qui nous sert de première maison, là, le corps. Voilà, je voulais juste resituer que moi aujourd'hui, voilà, ce que j'avais envie, c'était de partager avant tout l'appréciation ou l'expérience que je peux avoir, moi, de cette question des rythmes, du temps, plus largement, en tant que chorégraphe, en tant que danseur. Moi, je viens partager ces questions, ces rythmes pluriels avec lesquels je suis obligé d'œuvrer au quotidien, quasiment, dans ma pratique. Alors, ma pratique, c'est à la fois créer des pièces, un chorégraphe, ça crée des pièces chorégraphiques, mais ça enseigne aussi. Puis ça a toutes sortes d'actions aussi dans la cité, comme Luc l'a redit là, à la faveur d'un projet dans le quartier des Cévennes, un quartier prioritaire, à la faveur d'un autre projet d'un tiers-lieu dans lequel je suis là actuellement, et puis à la faveur d'un festival de danse que j'organise, que je co-organise aussi. Voilà, c'est à tous ces endroits-là aussi qui m'intéresse de pratiquer, enfin, si c'est une science du rythme, en tout cas, d'essayer de faire en sorte que tous ces rythmes-là, s'ils me traversent, que j'en sois pas uniquement dépositaire, mais que je puisse en être aussi acteur par moment. Parce que c'est peut-être l'une des premières questions qui se posent pour moi en tant que danseur, chorégraphe, organisateur parfois, c'est à la fois ce constat qu'effectivement je suis habité, traversé par énormément de rythmes. Et en même temps, jusqu'à quel point ces rythmes, je les conscientise, je les sens, je les observe, et jusqu'à quel point j'arrive à travailler avec. Alors, parler des rythmes, hein, ça amène évidemment à peut-être un peu en préambule à parler de la question du temps, tout simplement. Et bon, voilà, je vais pas reciter Saint-Augustin, ouais, avec cette histoire, ce paradoxe comme ça. Voilà, on sait pertinemment ce que c'est, et en même temps, voilà, dès qu'il faut en parler, dès qu'il faut en causer, on ne sait plus, on ne sait pas trop, parce que c'est de l'ordre du vécu, c'est de l'ordre des sensations, c'est de l'ordre de notre quotidien, en fait. Et pour autant, moi, en tant que chorégraphe, la question du temps, elle m'oblige. Le temps, il m'oblige au travers les créations que je mène. Il m'oblige au quotidien. Et du coup, il m'oblige aussi dans la transmission. Et c'est peut-être à cet endroit-là de la transmission que j'aimerais tout d'abord en parler. Comment on peut transmettre l'épreuve, l'expérience du temps? Pour ma part, j'ai la conviction, enfin la conviction puis même l'expérience, en fait, que les danseurs avec qui je travaille, ils ont souvent un rapport un peu incliné avec le temps. Ils ont un rapport un peu en diagonale comme ça avec le temps, un peu penché vers le temps, où ils ont quand ils viennent d'effectuer un geste, certains sont encore dans la nostalgie de ce petit passé. Voilà, le présent penche un peu vers le passé, ou parfois ils sont, surtout quand on travaille sur l'improvisation, ils sont déjà dans cette course à l'avant de savoir ce qui va venir, what's next. Et donc, du coup, ben, ce présent là, pour le coup, il se penche un peu vers le futur. Et bien que peut-être pas finalement, c'est peut-être pas un problème d'être sans cesse dans cette bascule et cette balance comme ça entre ce temps présent et, pour rester très linéaire, hein, entre ce temps présent, notre passé et notre futur. Mais c'est quand même, j'essaie de rappeler aux interprètes ou aux pratiquants comme ça qu'on a le choix de la pente déjà, et puis que la pente, elle peut être douce, et elle peut être, du coup, quand elle devient douce, elle peut être instructive, elle peut être presque même un peu constructive, en fait, d'un certain rapport au temps que je les invite à côtoyer. Et notamment, moi, je fais ça au travers beaucoup la pratique de l'improvisation et la pratique de la composition instantanée. Alors, peut-être pour démarquer les deux, l'improvisation, c'est cette discipline, cette pratique. Comme dirait l'autre, l'improviser, c'est tout sauf n'importe quoi. Cette pratique du jaillissement, de la spontanéité. Comment on vient ouvrir les vannes et essayer d'être traversé par l'environnement intérieur, extérieur, et tenter de faire des choix en l'instant avec le moins de ségrégation possible, parfois le moins de pudeur possible. Et puis la composition instantanée qui pour moi m'intéresse au plus haut point quand j'amène ça au plateau ou en extérieur, c'est le travailler non seulement à ces jaillissements, mais comment ces jaillissements, comment tous ces rythmes, toutes ces pulsions, toutes ces impulsions, elles vont pouvoir être mises en jeu dans une intention de composer, c'est-à-dire de poser les éléments, de trouver une dramaturgie, et plutôt que d'être assailli, débordé ou uniquement transmetteur des impulsions. C'est comment on les reçoit et comment on les articule.
Et ça va nous amener finalement petit à petit à travailler et à parler peut-être un peu plus tard de la question de la dramaturgie en fait. Comment une dramaturgie, ça s'opère dans une pièce chorégraphique. Donc dans la pratique que j'ai en fait, pour paraphraser, il y a ce très beau titre hein, de Valère Novarina, Vous qui habitez le temps, il s'agit d'habiter le temps. C'est-à-dire qu'en tant que danseur, en tant que praticien du corps, comme on l'est tous, la question, c'est pas uniquement penser le temps, mais c'est comment ça s'habite le temps. Et comment on ne travaille pas à propos du temps, c'est souvent une distinction que je fais quand j'observe des danseurs ou des pratiquants avec moi. Il y a ceux qui travaillent à propos d'eux, un peu en dehors d'eux, qui se placent un peu sur la berge, si c'était possible. Et puis il y a ceux qui prennent ça à bras le corps et qui sont réellement voilà, habités par le temps. Et là, on a une chance inouïe, en fait, en tant que danseur, mais pas que, hein, en tant que musicien, en tant que judoka, en tant qu'ouvrier, on a une chance inouïe, c'est qu'on a des corps. Et nos corps, ils sont là pour, alors de manière toujours très singulière, très différente, ils sont là pour maisonner le temps, pour abriter des rythmes. Et c'est pour moi, évidemment, ça a été le choix d'une vie, c'est comment nos propres corps, notre propre corps vient maisonner. Cet apprentissage-là, cette épreuve-là, cette expérience-là. Alors à partir de là, la méthodologie, elle est, enfin, ma méthodologie de longue date, elle est plutôt simple, hein. Elle est basée sur l'observation avant tout. Et puis surtout, j'aime bien travailler à distinguer en fait. C'est un joli mot, je trouve, dans la langue française, le mot distinguer, parce qu'à la fois c'est à la fois observer avec acuité et en même temps c'est séparer, c'est dissocier. Comme dirait Deleuze, en fait, c'est comment on arrive à dissocier des mixtes. Il y a des sortes comme ça de groupements, de choses qui sont plus ou moins opaques. Et comment on commence à détisser pour essayer ensuite de refaire choix. Si je parlais d'espace, par exemple, aujourd'hui, travailler à l'espace quand on travaille en danse, c'est compliqué de dire à un danseur, voilà, j'aimerais que tu te mettes dans l'espace et que tu te mettes à danser. L'espace, évidemment, c'est une notion tellement énorme. Et du coup, de détisser ça ou commencer à distinguer, c'est amener l'interprète, c'est amener le pratiquant à distinguer l'espace dans toutes ses natures, l'espace comme une surface, l'espace comme une altitude, l'espace comme une distance, l'espace comme une texture, l'espace comme une échelle, pardon. Et donc voilà, de travailler à ces endroits-là pour que l'interprète puisse, à un moment donné, être en choix de manière beaucoup plus précise. Concernant le temps, en fait, je partage ma source interne. Alors, je ne sais pas à quel point c'est intéressant pour vous, ce qu'il faudrait pratiquer. Mais concernant le temps, j'aime bien revenir à des questions très simples, en fait. Et la première question qui se pose, en fait, quand on est sur un plateau de danse, tout ce que je dis, on peut l'extrapoler évidemment en dehors du plateau, c'est quand? C'est la première question simplissime, quand? C'est-à-dire, tout simplement, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça termine? Quand est-ce que ce geste-là, il va commencer? Quand est-ce que ce geste-là, il va se terminer? Et au travers de cette question simple, c'est déjà faire l'expérience du démarrage, du début, et c'est faire aussi l'expérience d'une fin. Sachant que concernant la danse, en tout cas, la question de la fin, elle est toujours un peu insoluble, elle est toujours un peu impalpable. Donc, et pour autant, c'est souvent la fin qui désigne, qui permet de valider, je dis pas légitimer, mais de valider en fait tout ce qui a pu se tramer entre le début et ce moment fort. Quand on travaille sur le quand, on travaille aussi sur la synchronicité. Donc l'habilité qu'on a tous à célébrer ce moment de démarrage ensemble ou de célébrer le moment de fin ensemble. Donc ce sont deux moments que j'aime bien identifier, que j'aime bien presque séparer. Ce moment du démarrage auquel on peut s'associer. Voilà, on a tous vécu comme ça, en gros comme ça, le démarrage spontané de quelques individus pour sortir aller boire un verre sans s'être dit quoi que ce soit, on se lève de table tous ensemble. On a tous vécu le moment d'une fin saisie dans l'instantanéité, comme ça, tous ensemble. Donc ces sortes de moments d'épiphanie, comme ça, ils sont assez forts. Et à la fois quand on les reçoit, quand on les examine pour soi-même, quand on les identifie, et à partir de cette identification-là, comment on arrive à les partager?
Et peut-être que déjà, ces moments de démarrage, ces moments de fin, déjà, ils commencent à poser un peu en souterrain, comme ça, la question du rythme. Alors, du rythme, non pas comme une répétition, mais du rythme comme un événement. Et ces premiers événements pourraient répondre à la question du quand. Donc, comment finalement la question du rythme s'associe à la question de l'instantanéité, à la question de cette forme d'épiphanie, comme ça, de partage d'un instant, sachant qu'évidemment, ce paradoxe de l'instant où à la fois, l'un révoque l'autre et en même temps on est tout le temps sur la crête de l'instant. Donc comment en tant que pratiquant, comment en tant que danseur, comment en tant que chorégraphe, on va arriver à travailler sur cette forme d'instantanéité-là. Et puis évidemment, quand on a travaillé sur un démarrage et quand on travaille sur une fin, c'est évidemment travailler à cet interstice entre le démarrage et la fin. Et entre la fin et le démarrage, quand il s'agit d'un silence, et ces interstices-là, ces intervalles-là, ils viennent nous répondre, ils viennent répondre à la deuxième question, très simpliste, hein, concernant le temps, c'est combien de temps? Et cette question du combien de temps, c'est la question de la durée, c'est la question du phrasé musical aussi. Et là encore, on se rend compte, en tout cas moi je l'éprouve tous les jours dans ma pratique, on se rend compte, on a des phrasés, on a des phrasés dans l'énonciation verbale, on a des phrasés dans nos gestes, on a des phrasés aussi dans nos activités. On parle des enfants, voilà, qui ont des temps, des temps très très précis, très courts comme ça d'attention. J'aime bien reprendre ça de ce côté-là, c'est plutôt des phrasés. Ils ont des phrasés un peu plus réduits que les nôtres peut-être. Donc du coup, comment travailler à ce phrasé, comment pouvoir partager des phrasés aussi. Alors c'est Bergson hein, qui a beaucoup œuvré en ce sens, hein, où lui il travaille, il a cette intuition du temps, il l'aperçoit autour du phrasé, et il nous parle de ses notes. Il nous parle de ses notes qui à la fois racontent une durée et sont indissociables d'elles-mêmes. Elles sont à la fois une et elles sont à la fois plusieurs. J'aime beaucoup cette expression de Mozart qui disait je compose avec des notes qui s'aiment. Voilà, il y a une sorte d'interpénétration comme ça de notes, de gestes, d'instants qui font que ça crée durée. Et puis une troisième question simpliste aussi avec laquelle je travaille moi, au quotidien dans la pratique de la danse, dans la création des pièces aussi, c'est la question de la vitesse. Parce que la question de la vitesse, elle nous renvoie à la question de la vitalité, elle nous renvoie à la question de l'urgence aussi. Et puis l'allure, dans tous les sens du terme, quelle allure on se souhaite pour telle activité, tel geste, telle séquence. Voilà, trois questions simplissimes, très très simples, avec lesquelles je travaille à combiner, je travaille à ancrer les danseurs dans comment incarner ces expériences-là du quand, du combien de temps, de quelle vitesse. Et ça, croyez-moi, c'est très concret, en fait, hein, quand on l'éprouve. Et du coup, le temps vient s'incarner. Et quand on pose un geste sur un plateau de danse, sur un plateau de théâtre, j'aime bien dire que le temps a besoin des corps pour s'incarner, en fait. Alors, il y a tout ce qui nous entoure qui est plus ou moins inerte. Mais dès qu'on met du vivant à l'intérieur de cette inerte, on a un mouvement qui se génère, on a un temps qui se crée. Et même si le temps existe déjà, il y a une incarnation qui vient se proposer là au plateau. Cette incarnation-là, bah, c'est mon travail d'essayer de faire en sorte qu'elle soit claire, qu'elle soit habitée et qu'elle puisse du coup, par porosité comme ça, venir toucher le spectateur et venir. Alors, je ne crois pas quand on fait des pièces, on vient pas indiquer, on vient pas communiquer, on vient pas expliquer, mais on vient beaucoup par empathie, on vient. Abonder, inonder en fait le corps, l'esprit du spectateur. Et c'est au travers de ces clartés, il me semble, ces clartés-là, et ces expériences renouvelées, hein, parce qu'il ne s'agit pas de travailler sur des secondes mains, on est toujours obligé de reprendre en première main comme ça l'expérience, c'est grâce à ces expériences qu'on arrive petit à petit, il me semble, à clarifier son propre rapport au temps, son propre rapport au rythme. Et peut-être finalement à le proposer et à le recevoir de manière beaucoup plus claire. J'avais envie en fait de vous proposer un petit extrait en fait. Donc si j'y arrive, je vais faire le petit partage d'écran sur une pièce en fait qui a été créée il y a un petit moment déjà.
Qu'est-ce que j'ai créé il y a au siècle précédent. Là, il s'agit d'un teaser en fait. Je viens sinon illustrer, en tout cas peut-être raconter un peu autrement. Voilà le petit extrait que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça a fonctionné, si vous m'entendez. Ça a très bien fonctionné. Bon, super. Ouais, ce qui m'intéressait en fait dans cet extrait, alors c'est un teaser, hein, un teaser, donc une sorte de recombinaison comme ça d'une pièce. Ce qui m'intéressait, c'était de partager peut-être les quelques mots que j'ai énoncés avant sur la question de comment du temps ça se partage en relation à ces simples questions qui est imminente en même temps, hein, celle de l'instant, celle de la durée, celle de la vitalité, de la vitesse, de l'allure.
Et puis surtout, peut-être la question que je vous poserai, c'est comment avez-vous observé en fait cette vidéo-là? Et très vraisemblablement, vous avez été, même si le sujet c'est les rythmes, le temps, vous avez été vraisemblablement été happé par les corps, par l'esthétique, par le spatial, par les superpositions d'images, par le montage visuel. Et c'est l'un des sujets en fait qui m'importe hein, quand on parle de rythme et de temps, c'est notre habilité à convertir ce qu'on appréhende de manière un peu immédiate comme ça, plutôt spatialement, de manière temporelle. Et cette conversion-là, c'est aussi ce à quoi je m'applique hein, quand je travaille avec les danseurs, là, notamment in situ, en extérieur, parce que la compagnie a cette particularité de faire des spectacles en théâtre, mais aussi en rue, en espace public. Et je m'évertue avec les danseurs, avec les interprètes, à travailler sur leur habilité à convertir ce qu'ils observent ou l'environnement dans lequel ils sont en termes de temps et pas uniquement en termes spatial. Parce que très vite viennent au-devant d'eux, peut-être de nous, je pourrais dire, des couleurs, des textures, des perspectives, des événements visuels, parfois auditifs. Et en même temps, comment reconvertir ça? Et c'est vraiment l'objet d'un travail, il me semble. Ça ne vient pas tout naturellement. Comment reconvertir ça en temps. En temps, en rythme, et encore une fois, pour peut-être faire l'effort ou faire le jeu de ne pas subir. Mais j'ai cette conviction qu'avant d'apprendre à écrire, on apprend à lire. Avant d'être en écriture, avant d'être en création, on apprend simplement et peut-être avant tout, comme on le fait à l'école, on apprend à lire puis on apprend à écrire. Sur ce temps-là, j'aime bien rappeler cette anecdote de c'est Glenn Gould hein, qui quand il allait au restaurant en fait, un restaurant très bruyant, il avait horreur de subir le bruit. Le musicien qu'il était avait horreur de subir le brouhaha ambiant. Et ce qu'il avait pour habitude de faire, j'en fais un exercice à moi du coup maintenant en pratique, il avait l'habitude de faire, c'est qu'il s'asseyait à sa table. Il prenait un temps pour écouter en fait chacun des sons les uns après les autres, et c'était sa manière à lui en fait, c'est sa manière à lui de recomposer en fait l'univers sonore dans lequel il était plongé, dans lequel il était parfois submergé. Et je trouve ça très joli en fait cette pratique ou cette presque anecdote, cette histoire là, parce que du coup c'est ça nous raconte aussi jusqu'à quel point on se met en choix comme ça dans nos perceptions, sachant d'ailleurs que nos perceptions sont des choix. Comment on se remet en choix dans nos perceptions pour cesser de subir, réinterroger, réécouter avec encore une fois beaucoup plus de distinction, et puis une fois cette réécoute possible, réagencer en fait. Et c'est ce jeu d'agencement, en fait, qui n'est pas que le jeu du créateur, mais qui est vraiment, il me semble, le jeu de tout un chacun. C'est cet agencement, en fait, qui permet, il me semble, de peut-être de se mettre au diapason de son propre temps, de ses propres rythmes. Après, pour revenir sur la vidéo que je vous ai montrée aussi, c'est là le projet que j'avais mené, No Man's Land, c'était un travail sur étayé par le concept de Deleuze, de déterritorialisation. Voilà, où en fait Deleuze qui nous dit que bah, se créer un territoire, c'est pas chercher à s'enfermer dans un territoire, mais au contraire, c'est travailler à traverser le territoire, à cette porosité des frontières. Et c'est amusant parce que moi-même, cette pièce-là, pendant des années, je l'ai vécue comme. J'ai vécu cette question du territoire comme une question spatiale. Et ça m'a pris du temps, en fait, pour repenser ce projet-là autrement, pour le revisiter autrement, et à revoir encore ces images. De par le son, de par la diversité des corps, de par les images, les rythmes des images, des projections. J'aime bien repenser ce projet-là comme un territoire temporel, c'est-à-dire comment chacun des protagonistes dans cette pièce-là n'a eu de cesse finalement à travailler à cette déterritorialisation, non pas spatiale, mais aussi temporelle. Comment faire en sorte de se mettre dans une position, une posture, une disponibilité poreuse à la temporalité de l'autre. Et c'est, il me semble, peut-être l'une des plus grandes qualités que je retrouve chez les interprètes avec qui je travaille. C'est cette faculté qu'ils ont à cette disponibilité.
Je voulais continuer là sur cette épopée du temps pour reparler d'un projet, parce que évidemment, travailler autant, c'est travailler sur des sujets. Et j'ai eu l'occasion de faire une. On m'avait invité en Suisse il y a pendant le confinement. On m'avait invité à faire une création intitulée De l'Avant. Et j'avais 2 semaines, en fait, pour le faire un peu court. J'avais 2 semaines avec 4 danseurs que je ne connaissais pas, qui ne m'avaient pas choisi, que je n'avais pas choisi, avec qui il fallait que je fasse en 2 semaines, il fallait faire 20 à 30 minutes de temps d'une pièce chorégraphique. Et je suis allé là-bas, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et du coup, peut-être parce que le confinement et qu'on a tous réabsorbé cette autre façon d'être autant qu'on a pu avoir pendant ce confinement, j'ai souhaité en faire une pièce d'étude sur le temps. Et pour éviter de tomber dans mes habitudes, je me suis intéressé à un musicien, Pierre Boulez, et qui lui a travaillé en fait au temps d'une manière particulière. Il distingue en fait le temps strié et le temps lisse. C'est d'ailleurs une notion qui a été reprise bien plus tard par Deleuze dans Le Plateau. Alors qu'est-ce qu'il entend par temps lisse? Le temps lisse, c'est un temps musical, mais c'est pas un temps qui est battu, c'est pas un temps qui est interrompu en fait. On en a une très très belle une très très belle expérience, c'est un autre musicien, John Cage, un américain, qui crée une œuvre qui s'appelle As Slow As Possible. Il crée cette œuvre en 1987 et il se dit, ben voilà, je vais essayer de faire une œuvre où il n'y aura aucune interruption, aucune césure. Donc finalement, il travaille sans le savoir sur cette question du temps lisse. Et cette œuvre-là, elle est jouée depuis 1987 à Halberstadt, dans une petite ville en Allemagne, dans une église. Elle est jouée par un orgue qui a été programmé. Et elle est en continu depuis 1987. Il y a un changement de note. Je crois que le dernier changement, il a été effectué en 2001, puis en 2013. Il y en a eu en septembre 2020. Et cette œuvre, elle sera achevée en 2640. Elle est programmée pour être achevée en 2640. Donc voilà, on est vraiment dans ce temps lisse qui nous ramène peut-être à cette question de la durée comme un événement. Comment va-t-on chercher souvent l'événement par la ponctuation, par la pulsation, par le spectaculaire, et finalement au travers la musique, John Cage et puis là Pierre Boulez nous redisent que finalement l'événement peut être aussi une durée. Donc là en l'occurrence une œuvre qui va traverser quelques siècles. Et puis quand on quitte le temps lisse, on arrive sur un temps qu'il appelle un temps strié. Ce temps strié, c'est un temps qui va être interrompu. Ou à un moment donné, on va retrouver la question du quand, la question d'un démarrage, d'une première pulsation. Et puis cette pulsation, en fait, quand elle revient d'une manière un peu cyclique, elle va déterminer, dès qu'il y a 2 pulsations, on commence à avoir un beat, une sorte de distance entre 2 événements qui vont créer une rythmique, une rythmicité. Et puis plus tard, en fait, quand ce beat devient très régulier, ça devient un tempo. Voilà. Bon, moi, ça me permettait, du coup, avec les danseurs, de travailler un vocabulaire, parce qu'il s'agit de ça, peut-être aussi, distinguer, essayer d'apprécier, de nommer. Donc, comment nommer ces questions relatives au temps? Donc, on a travaillé avec les danseurs sur la question du temps lisse. Alors, en danse classique, on connaît l'adage. Voilà, c'est une forme de danse très, très lente qui permet aux danseurs de travailler à la fois un style, en même temps, sur une précision. Et puis, j'ai été très vite choqué parce que c'était quasiment impossible au démarrage pour les danseurs, pour certains d'entre eux en tout cas, de ne pas rythmer, de ne pas strier le temps, de pas s'acquitter comme ça de cette longueur, de cette durée, sans mettre un événement, sans battre le pavé, sans marteler le sol, sans accélérer de manière trop effrontée. Et du coup, j'ai dû trouver, moi, d'autres moyens pour les plonger dans ce temps lisse. Et les moyens que j'ai trouvés, c'est ce que j'ai appelé les 3 C, la circulation, la circularité et la continuité. La continuité, ben évidemment, c'était de faire en sorte de travailler sur le continuum, sachant qu'en danse, c'est intéressant, qu'on a souvent l'impression que créer un geste, c'est forcément faire un geste.
Mais créer un geste, ça peut être aussi je fais attention, c'est un iPhone 13, faire un geste, ça peut être aussi de chuter. Donc, je les ai emmenés à travailler sur cette continuité qui énonçait un lien entre le faire et la chute. Mais de manière tellement tuilée que n'apparaissaient pas les petits chocs comme ça, des décisions entre faire et chuter. Donc, on a travaillé sur la continuité. On a travaillé sur la circularité. La circularité, c'était, je leur demandais d'éviter d'être sur des allers-retours, sur des lignes droites, de ne pas travailler sur des géométries en ce sens-là, mais plutôt sur des géométries courbes. Donc d'être dans le flux et dans le reflux, dans la circularité. Et puis ensuite, on a travaillé sur la circulation. La circulation, c'était développer chez eux cette habilité à laisser circuler en fait le mouvement. Parce que quand un corps bouge, il n'est pas vrai que le corps bouge entièrement. Il y a toujours des parties silencieuses du corps. Donc, de les habituer ou de leur donner cette pratique comme ça de circulation du mouvement dans le corps, afin de faire en sorte qu'on puisse, par cette circulation, la circularité, la continuité arriver à ce temps lisse. Alors ça a mis, j'avais que 2 semaines, hein, donc ça a mis un petit moment avant qu'on arrive à travailler et à éprouver en fait ce temps lisse, cet adage, cette façon d'être autrement dans le temps, moins par les événements, moins par la rythmicité que par la durée. Et puis ensuite, on a travaillé évidemment sur le temps strié. Donc là, c'est travailler à la pulsation, travailler au beat, travailler au tempo, avec cette question du chemin de crête que le danseur doit employer, et puis qui nous rappelle nous aussi à ce risque entre le taylorisme, entre en même temps la mécanique du tempo qui peut nous amener à la fois à subir encore une fois. Et puis en même temps, le plaisir d'être avec, le plaisir d'être ensemble dans le battement de cœur, dans le chorus. Donc voilà, c'est ce qu'on a du coup éprouvé pendant toute cette pièce, à travailler sur une transition qu'on opérait entre un temps lisse, un temps strié, qui allait vers une augmentation du temps, une sorte d'accélération. Bon, j'aime pas l'expression accélération du temps, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais en tout cas, l'accélération des pulsations qui amenait un tempo très très rapide. Et dans ce tempo-là, jusqu'à quel point ils étaient en mesure à la fois comment dire ça, de retrouver leur autonomie plutôt que de subir le tempo. Donc on a travaillé à cette résistance-là ouais, c'est une forme de résistance en fait au tempo. J'ai peut-être pour ponctuer encore cette intervention là, ce que c'est. Les mots amènent les mots. Alors, je sais pas ce que c'est un peu mon vocabulaire. Je sais pas si c'est très clair. Quand on est, je suis bien orphelin là de vous transmettre ça au travers de la pratique. Donc, espérons que les mots, gageons que les mots sont pas trop abscons ou abstraits. Du coup, je voulais rebondir en fait sur d'autres moments chorégraphiques qui ont jalonné mon parcours. L'un d'entre eux, en fait, c'est avec une danseuse flamenco qui s'appelle Christina Hall, une danseuse qui a une histoire un peu particulière. C'est une Américaine qui, à 16 ans, décide de quitter son pays pour venir à Madrid parce qu'elle est passionnée en fait de flamenco. Je vais vous en montrer un extrait. Ce qui est assez incroyable en fait dans cette pièce-là, c'est que finalement, et ce qui m'a intéressé, c'est que la rythmicité dont elle fait preuve, hein, bon, c'est assez clair, elle a une sorte d'habilité comme ça, et on le dit souvent, l'habilité de notre rapport à temps, c'est celui peut-être qu'on a à l'extendre, mais aussi à resserrer en fait, à resserrer la rythmicité dans laquelle nous sommes. Ça.
C'était pour moi ce qui m'a intéressé dans deux, trois pièces en fait, dont j'avais récupéré des extraits, c'était de voir comment les rythmicités, qu'est-ce qui crée rythmicité en fait, et comment en fait les rythmicités dans ces différentes pièces, elles sont le fruit de conjugaisons d'enjeux. C'est-à-dire, si je dis autrement, un rythme peut apparaître parce qu'on a décidé de créer un rythme, ou parfois des enjeux conjugués viennent à créer un propre rythme en fait. Notamment dans cette pièce, en fait, l'enjeu qui était celui de l'interprète, c'était à la fois de venir marteler cette identité, une Américaine qui vit à Madrid, qui n'est pas reconnue absolument du tout dans le milieu du flamenco, donc elle a une grande difficulté à exister dans ce milieu-là, et puis exilée en même temps de son propre pays, et comment elle venait marteler sur un plan incliné, donc un plan qui vient retraduire encore cette sorte de chute, d'évers d'identité. Et ça crée rythmique et ça imposait en fait cette rythmicité-là. Sur d'autres pièces, j'ai pu utiliser aussi la question des rythmes en conjuguant d'autres enjeux. Alors, j'ose pas montrer maintenant de vidéo là, parce que comme j'ai pas réussi à faire ce truc, je réessaie une dernière fois. Parce que... change d'extrait pour vous montrer en fait encore une autre conjugaison d'enjeux qui vont amener l'interprète finalement à rentrer en rythmicité, sachant que les enjeux là étaient tout autres, hein. Il s'agissait de travailler sur la chute, une pièce qui s'intitule Gravity Point Zero. Pièce Gravity 2.0, dont l'objet était vraiment de travailler sur la question de la gravité, et notamment, je vais vous montrer cet extrait parce que pour moi, la rythmique, la rythmicité en fait de l'interprète Damien Drouin, elle est vraiment le fruit comme ça de cet enjeu entre la chute, le rebond et la rencontre entre des textures, des matières différentes que sont celles du corps, le poids, la gravité, le poids du corps et la texture de ce trampoline. Et d'une part, il y avait une grande technicité hein, de cet interprète-là, parce que j'ai dû changer d'interprète à plusieurs reprises et j'ai jamais retrouvé un interprète qui avait ce talent. Et le talent, j'ai découvert qu'après, il venait se nicher pas uniquement à l'endroit de la technicité, mais il venait surtout se nicher à l'endroit de la manière dont Damien prenait le temps du temps, je sais pas comment le dire autrement. Un interprète qui était plus intéressé non pas à faire des figures sur son trampoline, mais à jubiler du momentum en fait. Parce que quand on fait le trampoline, j'en ai fait très très peu moi, il y a cette petite jubilation, très courte pour moi encore une fois, mais bien plus longue pour lui, il y a cette petite jubilation comme ça de ce moment donné où on est entre ciel et terre, où l'ascension vient de s'interrompre et on n'est toujours pas dans la chute. Et c'est à ce moment-là, dixit les spécialistes, où il suffit de tourner un œil pour engager une spirale entière dans le corps. Et j'ai réalisé voilà, que finalement, tout le talent de Damien, enfin, la grande partie de son talent,
c'était pas sa technique, c'était pas la façon dont il appréhendait l'objet, mais c'était le soin qu'il apportait à s'inscrire dans cet endroit très précis du temps là, en fait. Et on retrouve peut-être encore une fois cette question des 3C, de la circulation, la circularité, la continuité, dont il fait preuve aussi dans cet extrait-là. Donc voilà, comment chacune des pièces dans lesquelles je m'engage, elles viennent non pas frontalement annoncer des rythmes, mais elles viennent plutôt en fait engager les interprètes, selon des enjeux différents, à côtoyer des rythmicités. Là, je reviens de Marseille, en fait, où je travaille sur une nouvelle création intitulée Adieu, sur la mort de l'enterrement de nos pères. Nous sommes deux chorégraphes d'une cinquantaine d'années. Nous avons perdu nos pères il y a pas très longtemps. Voilà, on se plonge dans cet enterrement, dans le deuil, dans ce deuil impossible, irraisonnable. Et là, j'ai pris la chose un peu à l'inverse. On annonce la pièce et on la commence par une marche, une déambulation à deux. Et cette marche, on a un tempo, qui est un tempo 92 avec un métronome. Et ce qui m'intéressait, c'était de... Alors peut-être parce que nos pères étaient un peu... ont fait un parcours militaire, mais pas tellement ça. C'était vraiment pour voir comment ces deux hommes peuvent arriver à marcher ensemble, à être ensemble dans cette marche, à déambuler ensemble. Et donc, on s'est résolu finalement à un rythme qui était imposé de l'extérieur. Donc ce rythme, c'est une autre façon de se relier au rythme, hein, comment le rythme, quand il est imposé de l'extérieur, on arrive à s'y relier. Et ce que j'ai découvert, c'est que travailler sur s'engager à suivre ou accompagner un rythme, ça développait ou ça nous obligeait à réaliser que finalement, travailler au rythme, c'est travailler sur un imaginaire. C'est-à-dire que si je le dis autrement, être sur le bon tempo, il ne suffit pas d'écouter la musique, il ne suffit pas d'avoir l'habilité physique, émotionnelle, sportive, d'être capable de faire un geste très rapidement quand le rythme est rapide, mais c'est déjà faire œuvre d'imaginaire. Et c'est quelque chose, si j'en donne un autre exemple, hein, que je rencontre aussi au quotidien, hein, traverser une route, c'est un acte aussi d'imaginaire, c'est-à-dire il suffit pas de percevoir la voiture au lointain, il suffit pas de se percevoir ou de percevoir l'autre côté de la route, mais c'est aussi un acte d'imaginaire basé sur nos mémoires, l'appréciation que j'ai du temps qu'il va me falloir pour traverser, du temps que va mettre la voiture. Et cet acte d'imaginaire, on le retrouve aussi dans le rythme, et en quelque sorte, cette façon d'être au rythme nous apprend à épaissir l'instant du futur proche, comme si nous devions, Patrice et moi, non pas se résoudre à être dans le temps, mais à devoir, non pas anticiper, mais à faire une lecture et à imaginer ce futur proche pour pouvoir arriver au bon moment, à l'instant T. Donc voilà, c'est une expérience assez incroyable que je connaissais au travers ce qui nous entoure dans l'environnement, mais que je n'avais pas perçu encore concernant le temps. Notre faculté et notre nécessité finalement à le temps, ça s'imagine et on a cette faculté qu'on édifie au fur et à mesure, j'imagine, à imaginer le temps et à pouvoir du coup travailler à la synchronicité, à la synchronisation. Ça, c'était l'objet de cette dernière découverte. Et puis ça m'a amusé parce que je préparais un petit peu hier là, cet échange et j'étais avec ma maman en visio. Alors ma mère était une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et je travaille depuis quelques années sur cette question de l'Alzheimer avec des personnes qui ont un rapport au temps qui est particulier, qu'on peut presque leur envier parfois. Ils ont une forme de quintessence, ils sont dans une forme de quintessence de l'instant, ils n'ont pas de passé sur les talons, la question de l'avenir elle est un peu impalpable pour eux, donc ils sont résolument là, avec effroi parfois, mais en même temps avec beaucoup de grâce aussi, et ils ont une forme de rencontre avec le temps qui est particulière, mais qui vient peut-être aussi nous enseigner, en tout cas nous renseigner sur la faculté qu'ils ont d'être dans un temps qu'on pourrait presque qualifier d'elliptique, où à la fois le passé, le futur, le présent, la fantaisie, un temps complètement fantaisiste, peuvent se rejoindre.
Et ça m'a amusé hier parce que ma maman a une sorte d'habitude, de ritournelle, où elle applaudit en fait. Elle est comme ça, elle passe ses journées comme ça à applaudir quand on lui sert à manger, dès qu'elle croise quelqu'un, elle applaudit. Et comme je préparais ce temps qu'on passe ensemble sur la question des rythmes, j'ai réalisé hier qu'en fait, pour elle, c'était, je prenais ça comme une sorte de geste un peu convivial, un peu social, convivial, d'applaudir pour voilà, apprécier l'autre ou raconter l'appréciation qu'elle a du moment qu'elle vit ou de ce qu'on lui apporte ou de l'échange. Et je me suis aperçu en fait que finalement, quand elle est dans ce geste-là, c'est aussi un geste de tactilité en fait. Que cette tactilité, c'est dans cette répétition comme ça de cette nécessité à se toucher elle-même, c'est aussi une façon, par ce rythme-là, par ce rythme qui est adjoint à la tactilité, de se sentir, de se saisir de l'instant, et peut-être même de se ressaisir dans l'instant. Et évidemment, quand on entend un percussionniste qui vient frapper sur son objet de percussion, on s'aperçoit et je trouve que c'est une porte, moi, qui s'ouvre, qui est intéressante pour le métier que je pratique, là. C'est comment le rythme est forcément lié à la tactilité. Quel lien on établit entre tactilité et rythmicité? Sachant que nous sommes des êtres, hein, de vibrations, de rythme, de flux sanguin, un peu binaire, artériel, un peu ternaire, quand il s'agit du sang veineux, etc. Comment finalement la rythmicité s'éprouve avant tout, peut-être, par la tactilité. Et on en a tellement manqué pendant ce confinement que c'est un travail que je commence à remener dans les ateliers, notamment. Et je m'aperçois du manque que ça a été. Et ce manque, il a été à l'endroit non seulement du confort et de la grâce à être touché et à toucher, mais c'est aussi que ça a permis, il me semble, ou ça permet quand je travaille ça permet de travailler à cette précision d'être dans le temps et d'être à l'espace. La tactilité comme une façon de se retrouver dans le temps présent, dans l'instantanéité, et de retrouver rythmicité en fait différemment au travers la peau. Voilà, je vous livre un peu pêle-mêle, hein. C'est un peu décousu tout ce que je vous dis, hein. J'en ai bien conscience, mais pêle-mêle un peu là, les questions que me soulève en fait, que soulève pour moi en ce moment la question du temps, puis cette question de la rythmicité. Sachant que quand j'ai fait le choix de quitter parfois les plateaux, c'est évidemment pour me trouver dans l'espace urbain, et dans cet espace urbain ou autre d'ailleurs, mais se trouve en extérieur. Et dans ces in situ, ce que j'apprécie justement, c'est cette friction, c'est ce choc parfois des rythmicités, de celle de la rythmicité d'une pièce, d'un interprète, et puis de celle de l'environnement, qui vient non pas contraindre, qui ne vient pas atténuer, qui ne vient pas contrarier, mais qui pour moi, au contraire, vient encore au mieux créer l'épreuve de ces rythmes différents qui doivent absolument se rencontrer, qui doivent absolument interférer. Et venir pour moi dans l'espace public avec des formes artistiques et chorégraphiques, c'est évidemment faire spectacle, mais ça c'est l'une des strates seulement de l'existence des pièces en espace public, mais c'est aussi évidemment rencontrer d'autres publics, il y a toujours la mission comme ça qu'on se donne d'aller chercher les gens qui ne viendraient pas dans les théâtres, mais c'est aussi venir frictionner des formes artistiques avec des formes urbanistiques, des rythmes artistiques avec des rythmes urbains, avec des rythmes qui ne sont pas prévisibles et qui vont eux aussi s'improviser. Et c'est dans cette improvisation mutuelle que prend pour moi sens de l'œuvre en question. Comme si finalement l'œuvre qui se proposait, elle n'existait pas en soi-même, n'avait pas tellement d'intérêt, mais comme si elle nécessitait une forme d'écoute, d'interpénétration avec l'entourage. C'est un peu l'expérience qu'avait faite il y a longtemps John Cage, encore à nouveau à New York, avec cette œuvre qu'il appelle 4 minutes 33, où voilà, sur un carrefour à New York, il pose un piano et convoque voilà, les médias, la presse, tout le monde s'attend à voir jouer ce pianiste, à entendre jouer ce pianiste, et finalement, 4 minutes 33 de silence, parce qu'il ne touche pas le piano, mais il laisse écouter les bruits de la ville. Pour une fois, en tout cas, cette fois-ci, toutes les personnes autour écoutent la musicalité et la musique de la ville.
Et c'est l'un des enjeux, en fait, qui est le mien quand on travaille à l'extérieur, c'est à la fois respecter l'existant. Et pour faire un lien avec ce travail qu'on formule dans le quartier des Cévennes, qui est un quartier prioritaire, encore une fois, où la tentation elle est grande de venir avec l'idée de changer, de transformer, bah, tout le travail qu'on mène avec Luc, avec Irshan, avec d'autres partenaires, avec les danseurs, avec Alstiking, c'est avant tout d'être à l'écoute, avant tout d'être dans cette disponibilité d'écouter, de recevoir, pour je ne sais pas si on va transformer, mais en tout cas proposer. Proposer et de voir dans ce déplacement mutuel qu'est-ce qui va pouvoir se transformer plutôt que d'être dans une sorte de transformation, de souhait de transformation un peu poussif. Voilà, quelques mots pour resituer aussi sur les activités qui sont les miennes. La question du tiers-lieu, elle n'est pas anodine non plus pour moi. C'est aussi une autre façon d'être à un territoire qui vient ponctuer spatialement, cartographier spatialement le territoire d'une certaine manière, mais qui permet déjà de faire fluer ce territoire et les habitants de ce territoire d'une manière très très différente. Et j'en ai déjà l'expérience, ça fait quelques mois qu'on a ouvert, et il y a des flux, il y a des nouveaux flux, il y a des nouveaux flux selon les pratiques, selon les événements, il y a des nouveaux flux aussi selon les hébergements, les nécessités qu'on a aussi à partir de ce lieu, à sortir sur le territoire. Vendredi, je crée une pièce pour la coopérative d'électricité au domaine de Mortiès. Donc on va partir d'ici pour créer, j'aime bien ça, créer un chemin qui n'a peut-être jamais existé encore entre ce lieu et celui du domaine de Mortiès, où on va déambuler jusque là-bas. Donc voilà comment la question du tiers-lieu, pour moi, elle est aussi à cet endroit du territoire comme une nouvelle potentialité de fluer différemment. Et de questionner justement aussi les flux impossibles, les flux complexes, et comment on va, au travers le temps et avec les partenaires qu'on a, et au travers tout l'imaginaire qu'on va devoir déployer, comment on va s'amuser, j'ai envie de dire presque, à fluidifier, à fluer, à faire fluer différemment le territoire proche et lointain.